Je me suis perfectionné regardant des vidéos sur YouTube où des profs des beaux-arts donnent des cours. Tant que je n'étais pas prêt, tant que mes techniques n'étaient pas sûres, tant que je n'ai pas fait d'expo, parce que je me suis beaucoup intéressé aux pochoirs en fait. J'ai fait énormément de pochoirs et je n'ai pas besoin de trop creuser pour avoir de l'inspiration. Ça peut être un comptoir, ça peut être dans la rue. La meilleure inspiration qu'on puisse avoir, c'est les voyages, en fait. En voyageant, on découvre des nouveaux produits, des nouvelles publicités. Et ça fait qu'une petite idée qu'on va prendre là, une autre qu'on va prendre là, va faire qu'on va réussir, nous, à s'approprier et à faire autre chose. Félix Agostini vit et travaille à Calvi. Peinture, collage, pochoir, street art, l'artiste utilise toutes les techniques du pop art et en décline les thèmes récurrents issus de la publicité, du cinéma et de ses icônes ou de la bande dessinée, jouant sur le contraste des couleurs vives et pétillantes. Par hasard, je suis tombé sur une expo. Pop art, street art, je connaissais pas les graffeurs, je m'intéressais pas des masses à l'art en fait à cette époque-là. Et ça m'a fasciné, tout ce travail, cette inspiration, en fait, tout ce mélange de tout, n'importe quoi pour certains. Et de là, je me suis même intéressé à l'art. Dès qu'il y avait une expo, que ce soit en pop art, en street art, connu ou méconnu, je me débrouillais pour y aller. Et ça a mûri dans ma tête pendant des années. 13 ans après, je me suis jeté à l'eau, j'ai essayé pour moi et pour des copains. Et de fil en aiguille, et ben, ça a pris. On m'a demandé, bizarrement, tu les vends. Des galeries qui m'ont proposé d'exposer chez eux. Ça peut être j'ai fait des expos dans des villages, pour des associations, pour plein de choses. Et jusqu'à aujourd'hui, me retrouver dans cette belle galerie. Et dans d'autres galeries, à Paris, à Marseille, un peu partout, quoi. Félix Agostini est né et a grandi à Calvi. Restaurateur pendant plusieurs années, ce jeune papa décide de changer de vie pour consacrer plus de temps à sa famille et à sa passion pour la création artistique. Produisant peu, mais avec beaucoup de minutie, il est exposé dans plusieurs galeries à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux et la galerie Belle Arti à Calvi. On ne pourra jamais mettre une histoire sur un objet moderne, c'est pas possible. Il va pourrir dans une cave, il va mourir un jour ou l'autre. Ces vieux journaux, c'est une réelle histoire. Comme je t'ai montré tout à l'heure, j'ai un carton plein de vieux journaux des années 30, des années 25, des années 40. Il y a une histoire qui est écrite dessus, ça a raconté beaucoup de choses. Et quand c'est sur un tableau, il n'y a pas que la couleur de cette page qui m'intéresse. Il y a la curiosité de celui qui va l'acheter aussi, ou qui va le voir en expo, qui va se mettre réellement dessus, à le regarder, à lire, en disant « mais c'est des années 30, c'est des années 40 ». Ça raconte toujours encore beaucoup de choses, ça continue de vivre. J'aime quand c'est vivant, en fait. Voilà, j'ai envie que ça soit vivant, avec une histoire à découvrir. Ma patte, à moi, elle est là, il n'y a pas de... Il peut y avoir un message caché dans chacune de mes toiles, mais c'est pas à moi de le dire, ça. C'est moi, je le fais, et après, c'est aux gens de le voir. Ma patte, elle est peut-être là. Il faut égayer un peu sa curiosité, essayer de chercher un peu plus loin. L'arme aussi, on s'évade un peu, on est un peu dans sa tête. On se pose des questions, pourquoi ci, pourquoi ça, et au fur et à mesure, le tableau avance. Avance, certains prennent beaucoup plus de temps parce qu'on a des idées où on manque de matériel ou d'autres, mais
En gros, c'est une thérapie, l'art. Hein. Je veux dire, il faut pas... C'est ça. Hein. C'est comme quelqu'un qui va aller à la pêche tous les soirs, il va se sentir bien sur son rocher, il est à l'aise, il est tranquille. Moi, c'est pareil. Quand je suis sur un de mes tableaux, je me vide l'esprit, je suis dessus, je suis très bien là où je suis. Thank you.